Ça, c'est Paul, et il a pas toujours été bleu. Mais son étrange histoire a commencé quand il s'est acheté un générateur d'argent colloïdal, ce qui est en gros de l'argent sous forme liquide. Et initialement, il en prenait pas. Mais quelques années plus tard, quand son père est décédé, à cause du stress, il a développé des gros problèmes de peau. Et c'est à ce moment qu'il a repensé à son générateur d'argent colloïdal, et il a commencé à en boire et à s'en appliquer des grosses quantités sur la peau. Le problème, c'est que sa peau a absorbé l'argent, et quand cet argent entre en contact avec le soleil, une réaction chimique a lieu, ce qui cause un assombrissement de la zone. Mais initialement, Paul ne voyait pas les changements dans sa peau. Mais une fois qu'il a remarqué, c'était déjà trop tard, parce que l'assombrissement est irréversible. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que si sa peau est bleue, eh bien les organes et tout ce qui est à l'intérieur est aussi très certainement bleu. Mais ce qui est encore pire, c'est que l'utilisation massive d'argent colloïdal comme il l'a fait est fortement déconseillée par les agences de santé. Et en 2013, Paul est malheureusement décédé d'un AVC qui est venu suite à une pneumonie, qui a elle-même été attrapée suite à une crise cardiaque.